ce maillot blanc. C'est Guénolé Michel qui portera ce maillot blanc. L'homme qui porte donc le classement différentiel des Guénolégiens. Nous sommes à 6 minutes du départ. Thank you.
constitue la contre-attaque du club. Thank you.
je t'ai senti un petit peu déçu ce matin. Tu es un gagneur. Tu étais ce matin avec Antoine Leroux et je voulais lui descendre et puis lui expliquer un petit peu certainement. C'était dommage qu'il n'avait pas gagné. Et toi, aujourd'hui, tu t'es dit tantôt, je repars au combat et je repars avec le petit jeune. Tu l'as enlevé pendant un bon bout de temps, hein, le jeune Antoine Leroux. Il a été costaud avec toi. Oui, matin j'étais déçu, c'est vrai, parce que je voyais pas comme ça la course. Antoine il était tout le temps devant, donc je sais qu'il avait jambes. Peut-être je savais pas avant la course, mais pendant la course j'ai vu qu'il marche très très fort. Et puis j'ai espéré qu'il gagne. Mais bon, il a attaqué trop tôt, il a pas trop d'expérience encore. Malgré tout, il court longtemps avec nous. Mais voilà, ce petit erreur, on voulait réparer après-midi. Donc voilà, objectif c'était le meilleur grimpeur. Et puis on est parti dans je crois, le deuxième revenu. Et puis voilà, là-bas j'ai accéléré. J'ai vu qu'on a fait un peu de distance sur les autres coureurs. Et puis on a continué tout le temps, à deux. Et puis à un moment, voilà, les autres ils nous avaient rejoints. Donc, messieurs, je vais vous demander de faire la plus belle ovation que vous n'avez jamais faite à des champions, ici, à ce magnifique champion, Piotr Zignieski. Plus fort encore pour Piotr Zignieski, le meilleur grimpeur, Antoine Leroux, le vainqueur de l'étape, Cédric Le Breton. Et bien, je crois plus fort encore. Allez, c'est important, Kurvin Dusset, un petit mot, quel après-midi de cyclisme. Quel spectacle, un site grandiose que nous avons tous visité au travers de ton épreuve, avec ton équipe et surtout de beaucoup vainqueurs. Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je reste babin face aux coureurs. Ils nous ont montré encore aujourd'hui des choses extraordinaires. La course elle était difficile, elle était compliquée, elle était casse-gueule. Ils arrivent au bout et ce qui me plaît c'est que finalement quand un coureur est costaud, peu importe le terrain, peu importe la course, eh ben, il gagne. Aujourd'hui, c'est un costaud qui gagne. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc, on repartira l'année prochaine avec Jean Niger, avec Jacques Aznavour, avec Jeannot, avec tout le monde, avec Jean-Paul de la Ronde. On va améliorer les petites choses et on reviendra encore plus costaud l'année prochaine. Et eux aussi, j'espère.